Salut à tous les amis, c'est Danton Village, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy XV. Bon, je vous le dis, j'ai repensé, quand j'étais en train de m'occuper de la vidéo précédente, où ça s'est terminé, qu'on a constaté que malgré les kilomètres et les kilomètres que j'avais parcourus, la compétence de Gladio n'avait pas tant monté que ça. Je suis un peu sceptique vis-à-vis de ça, et du coup, je me suis mis comme objectif de parcourir tout ce que je dois parcourir à pied. Alors oui, je sais ce que vous vous demandez, mais comment ça va être gérable? Là déjà j'ai 1,25 km à faire, ça va être horriblement long. Oui, le problème c'est que ça va être Me aussi sens mou avec horriblement ce long. temps? Absolument. Merci de me couper. Ça va être aussi horriblement long de monter les compétences de Gladio si je ne m'en préoccupe pas maintenant. On n'est que niveau 7, il me semble. Aptitude. Ouais, niveau 7. Lui, il est niveau 6, donc c'est pareil. Niveau 8, ça va monter assez facilement. Mais ouais, voilà. Honnêtement, je pense que celle de Gladio, ça va être la plus compliquée. Il va falloir marcher, marcher, marcher. Donc je suis parti pour faire des kilomètres à pied. Alors oui, vous voyez message à droite, lecteur audio. En fait, lorsque vous êtes dans le véhicule, il y a une boutique. Vous pouvez acheter des choses en étant dans votre voiture. Bon, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et tout à droite, vous avez un petit encart avec justement le lecteur audio. Donc en gros, j'ai. Regarde ce que tu fais! J'ai pas fait exprès! En gros, j'ai un lecteur MP3, tout simplement. C'est pas mal. On a un temps magnifique. Génial! Bon, par contre, étant donné que la route risque d'être longue, je vais couper. Hein. Qu'on se le dise concrètement. Je vais juste regarder l'équipement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors par contre, je suis toujours aussi sceptique sur le fait que les compétences des points d'attribut supplémentaires au niveau des stats quand on gagne de niveau, je me demande vraiment si c'est rétroactif ou pas. Parce que là, j'ai dépensé la compétence fin de vidéo précédente pour augmenter les PM de Noctis à chaque fois qu'il passait de niveau. Et j'ai pas l'impression que c'est grandement monté son affaire. Donc ça se trouve. Ouais, bien que. Ouais, si. Allez, je fais la petite coupure parce que sinon on s'en sortira jamais. Je parle. C'est vrai. Bon, j'ai fait un petit détour. Mais voilà, je suis arrivé. Ah, on a tout recherché. C'est le meilleur. Fais tes prières. De quel côté? Oh, je suis désolé. Regarde ça. Problème.
Là ! C'est parti ! Ok ! Tu vois que tu arrives quand tu veux ! Eh ouais ! Foutre ça ! Arrête ça ! Gladio ! Nous aurions pu terminer ce combat plus vite. Bon allez, retour en arrière sur une musique effrénée que je vais tout de suite passer. Allez, c'est parti. Bienvenue chez nous. Nous vous remercions. Quel talent! Vous mangez quelque chose? Vous allez tuer les créatures? Jour pluvieux. Jour pluvieux, vous êtes marrant. Vous. Ok. Oh, vous allez faire cette mission? Soyez prudent. Alors, par contre... le gars, là, qui vend des armes, il est où, là? Tout droit. Ok. Parce que je crois que j'ai ce qu'il faut pour lui rendre. Une ville charmante, bien qu'il fasse un peu chaud. Et tous ces tremblements de terre, j'espère que le sol est quand même resté stable. Ça vous va, ça? Ça me rend service, en vous remerciant. Oh, c'est vous? Ah, salut. Est-ce que vous pouvez m'en ramener encore? Quand vous aurez du temps, bien sûr. Ok. Alors, c'était pas une blague, le disque de Kotea s'est enfui. Bon, alors le contrat est à 1 km. Le temps d'arriver à la bagnole. Ça va peut-être être tendu. Lino, t'as vu ça? C'est quoi? Ça me donne envie de boire un coup, moi. Eh ben, prends-en une heure. Ok. Tout à l'heure, on trouvera un bar. J'ai limite envie d'y aller. De toute manière, je pense que le temps d'y aller, la nuit va tomber et le jour va revenir. Alors par contre, s'il fait jour et qu'il pleut, je pète un câble. Bon, mais ben, je suis parti. Bon, on est reparti. Bon, ça c'est long, hein, de toute manière. Je gagne moins de points de compétence en plus de ça. Soyez vigilant. Le temps que je passe à courir, je passerai à conduire. J'aurai je sais pas combien de points de compétence. Mais bon. Oh hey, c'est pas le moment de faire l'idiot. Très bien. J'ai glissé. Viens. Je sais. Prends ça.
Dieu. Note, tu t'es fait défoncer là, non? Je ne vois pas votre chose. Je fais battre. Évidemment. Quartier. Désolé. Bien vu, Katio. Ok. Tu tiens le coup? Ouais, toujours en vie. Écoutez. Allez. Ouais, ça marche. Adieu. Ça se complique pas. Suffit de trouver une bonne. Impeccable. Il pleut. Vous savez ce que ça veut dire? Wouhouhou! On est vivants! Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça! Vous savez ce que ça veut dire? C'est que je l'ai dans le baba. Il faut que j'aille là, à pied. Bon, bah allez, je vais aller rendre la quête, mais à mon avis, ça va être la nuit quand je vais arriver là-bas.
Bon, on va voir. Tant pis. Et puis sinon, au pire des cas, je la laisserai activer et puis je ferai autre chose en attendant jusqu'à ce qu'il pleuve. Ou alors j'irai pêcher. On va passer le temps utilement. Ouais, à voir. Je vais réfléchir à la question sur la route, hein. Du coup, j'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Bon. Yesui est arrivé à destination. Bienvenue. Content de vous voir sain et sauf. Qu'est-ce que vous souhaitez boire? J'ai l'impression que les monstres sont de plus en plus agressifs. Ok, et ben les trucs de jour pluvieux, on va se les mettre de côté. Je vous souhaite bon courage. Essayez de ne pas prendre de risques. J'ai faim, moi. Allez, c'est reparti. Sur des roulettes. Bon, alors je suis désolé d'avance si vous entendez des bruits genre de voiture ou quoi que ce soit. C'est que j'ai les fenêtres ouvertes. Enfin, j'ai la fenêtre ouverte. Il fait une chaleur étouffante. C'est un truc de malade. Ah, on a trouvé ce qu'on cherchait. Ok. Est-ce qu'il me reste un peu de... Hop. Oui, je sais. Yes, pile poil. Ok. Parfait, tes prières. Allons-y ensemble. C'est un peu le bazar. Tiens, coup. En avant. Ok. Attention, vas-y. Merde, ils arrivent à bouger eux. Calme-toi quand même. Bon. Alors, je vais juste regarder un truc. Ah ouais, la quête pas du tout à côté, quoi. La quête pas du tout à côté. Et là, je vous rappelle qu'il y a une quête où, du coup, il y a un donjon et il y a une wyverne. Mais, à mon avis, elle va attendre, cette quête.
Et parti comme je suis, à la rigueur, je peux peut-être même... Ouais, je peux peut-être même pousser le vis à y aller. Ça va être très long. Ça va être très très long. Mais bon. C'est parti. Ok, alors les amis, petite parenthèse comme ça. Il faut dépenser du point de compétence pour Ignis. Dans les commandes. Ah, ça c'est pas mal ça. Ok, bah je suis reparti. Vous voyez qu'il me reste encore 2,60 km à faire. C'est super. J'adore. J'adore ma vie, je kiffe. Alors, juste 2 secondes. Je faisais un petit point sur les compétences. Je regardais comme ça. J'ai pris bien 10 minutes histoire de bien regarder ce qu'il faut. Alors, je vais prendre celle-là. Et je vais prendre... C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, le chat qui pète un câble. Et je l'ai perdu l'autre. Ça concernait Prompto. Il me semblait que c'était dans les commandes. Action. Ça me saoule. Ah oui, voilà. Voilà. Et moi, je suis reparti. Ok, on est enfin arrivé. C'est pas trop tôt. Wow. J'ai jamais vu une bête comme ça. Approche-toi, et ce sera la dernière. On va voir quel goût elle a. T'es vraiment trop fort. Oh, personnel. Bon, bien. Bon, ben voilà, super, je suis venu pour ça. Bon, et depuis tout à l'heure, je me farcie des types, machin. Bon, allez. Alors, je regardais ma carte comme ça et je viens de m'apercevoir que ici il y a un tombeau aussi. Tombeau royal, tombeau du lion. D'accord. Alors, j'avais une petite idée sur la suite des événements. Je pensais faire un retour en arrière, donc par ici. Enfin, un retour en arrière, non. Mais aller par ici et louer un chocobo histoire de faire la route, toute la route. En chocobo, ça me permettrait de gagner du point de compétence et de faire monter le niveau de mon chocobo. Et ça me permettrait de moins m'emmerder concrètement, parce que là j'en ai un petit peu marre de courir. Ça doit faire facilement 3 heures que j'ai commencé cette vidéo et je sais pas combien de temps j'en suis, mais j'ai pas dû décoller des 20 minutes. Donc là je commence à être un peu saoulé, donc je vais aller louer un chocobo et on va rentrer un petit peu plus vite, tout simplement. Bon, est-ce que je vais faire... Je vais louer le chocobo pour 7 jours. Comme ça. Comme ça, bah, dès que je suis en galère, je pourrais l'appeler.
J'ai quand même du chemin. Je presse le pas. On se reverra. Bienvenue chez nous. Bravo pour votre performance. Alors, je pense que les prochains contrats de chasse... Je pense que je vais retourner dans la première zone. Quand on a commencé le jeu. On va pouvoir compter sur vous. Et probablement qu'il y aura... Ouais, probablement qu'il y aura à ce moment, à ces endroits-là. Parce qu'il y a plusieurs endroits où on pouvait activer des contrats. Il y a, je pense, des contrats qui sont à notre portée aujourd'hui, là où on en est. Donc, oui. Je ne connais pas très bien ce sujet-là. D'accord. On va quand même activer. Vous allez tuer les créatures. Celui-là. Même si c'est par temps plus vieux, on sait jamais. Vous allez faire cette mission ? Soyez prudent. Toujours la pêche. Alors, je vais valider cette quête. Ça vous va, ça? Ça me rend service, en vous remerciant. Un paquet d'XP, là, si on va dormir, on a 60 000 en tout. Et c'est... Alors, c'est c'était ce pas que... une le disque de côté s'est en c'est ce que je vais faire. Mieux vaut rester à distance. Tout simplement. Alors, où est-ce passe sa quête? Elle se passe là. Il faut qu'il pleuve. Un peu compliqué, son histoire, là. Ou alors, faut rester là-bas jusqu'à temps qu'il pleuve. Ouais, ça peut être une idée aussi. Bon allez, on va aller à l'hôtel. On va faire un petit point là avec l'XP et compagnie. Comme ça on va voir, là j'ai passé je sais pas combien de temps à marcher, cavaler comme une andouille, donc il y a intérêt que ça monte quand même, parce que si ça monte pas, honnêtement... Vous arrivez au bon moment, notre meilleure chambre est disponible. Fais-moi rêver. Ouais, deux jours à cavaler quoi. Bientôt 35 heures. Ouh. De quoi? J'ai dû passer au moins 2 heures à courir. Et j'ai même pas passé le niveau. C'est grave. Quel sens de la composition? Prompto, pourquoi t'es bouffi comme ça? Je suis pas gros. C'est les selfies qui font ça. J'y peux rien, moi. Franchement, plus flippant, y a pas. Wow, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. L'Empire a vraiment des idées bizarres. Ouais, franchement, la compétence de Gladio, je vais m'arracher les cheveux avec quoi.
Bon. J'ai trouvé un cadavre. Mais je crois qu'il est mort. Bref. Bon, je suis parti pour y aller à pied. Écoutez. Ça me saoule. Je pense que je vais alterner entre courir et chocobo. Histoire de gagner du point de compétence aussi. Mais cette histoire, ça va me saouler. Et il est dit quand même que pour le platiner, le jeu, c'est 50 heures. Enfin, un petit peu plus de 50 heures. On en est à 35 heures. Honnêtement. Tant que ça m'a pris pour monter le petit truc là qui a grimpé, qui a même pas pris un niveau là pour Gladio, à mon avis c'est chaud. 50 heures à mon avis je vais arriver à. Enfin de toute manière je vais alterner, hein. Je vais on a continuer un temps magnifique. Les missions et compagnie. Tout à fait. Hein. Mais à mon avis, enfin ouais, c'est tendu quoi. C'est vraiment tendu. Bon, j'ai fait un gros détour, je voyais qu'il faisait grand beau, donc je me suis dit tant qu'à faire, on va aller à un campement. On campe ? Encore ? T'as un petit problème avec le camping ? Déjà, j'ai gagné du point de compétence. Ah, et je crois que je peux investir dans une compétence pour en gagner plus. Par contre, voilà, l'intérêt, c'était justement de le faire cuisiner. Alors, je me demande même s'il n'y a pas moyen de camper plein de fois d'affilée. Au final, je vais essayer de lui faire un truc vraiment élaboré. Oh là là, ça me donne faim cette histoire. Alors on peut gagner des points de compétence aussi en faisant de la cuisine que les gens aiment. Donc il faudrait la débloquer cette compétence. Et en gros acheter plein de cup noodles et les faire forcément l'autre il aime ça. Ouais, ce serait une idée ouais. Nourrir les chocobos. D'accord. Ah mais d'accord, ok, bah, je comprends mieux. Je suis juste à 35 heures de jeu et je commence à peine à comprendre. Hein. Sinon tout va bien. Ouais, à mon avis, l'idée ce serait de le faire cuisiner plein de fois d'affilée. Sur les cup noodles. Donc il faudrait que je débloque la compétence. Déjà il faudrait essayer. Alors je vais pas essayer maintenant parce que j'ai le piaf. Mais à l'occasion, j'essaierai de camper plusieurs fois d'affilée, histoire de monter les. En douceur. Bon, c'est parti, là. Bon, ouh, effectivement, il va plus vite. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais aller à l'endroit où c'est censé bastonner. Je vais me dépêcher au cas où s'il se met à pleuvoir. Ce serait dommage de louper ça. Ok. Oh, cette race, c'est excellent. C'est un signe du destin. Il s'est mis à pleuvoir. Ok.
c'est pas ça. Descendre, hein. Il commence à pleuvoir. Oh yes, il vient m'aider le... Bon, je suis bloqué dans les arbres. Effort minimum, impact maximum. Ça nous comme des fous. Bon, par contre, sur le débat, on fait comment? Aidez-moi! Soignons nos forces! Tu viens! Coupe mon chef! Séance photo. Ouais, nous aurions pu terminer ce combat plus vite. Par contre, il pleut et il n'y a pas de machin. C'est quoi cette histoire? Ah yes, ils sont là. Oh, ils sont là. Alors, tac. Tac. Je crois que nous avons trouvé... Terminons enfin.
forcément. Bon, faut que j'aille faire magnifique. Un rapport. Magnifique. Eh ben, je vais y aller à pied. Tout simplement. Un matelas dans une chambre, c'est tout ce que je veux. Pareil pour moi. Gladio, pas de camping ce soir, merci. Bon, on va valider le contrat. Bienvenue. Nous vous remercions. Qu'est-ce que vous souhaitez boire? J'ai l'impression que les monstres sont de plus en plus agressifs. Les jours plus vieux, oui. J'espère que tout ira bien. Essayez de ne pas prendre de risques. Ok, je vais faire un point sur les compétences. Alors, je vais faire une petite coupure le temps de tout regarder et on se retrouve dès que j'ai pris ma décision. Alors, déjà, on va dépenser des points dans celle-là. Voilà. Alors, ça par contre, pourquoi il y en a qui sont en vert et. Ah, en gros, entouré en bleu vert, c'est actif et ça, c'est du passif. Ok. Ok, donc là il faudrait lui équiper deux pistolets pour qu'il fasse ça. Ok. Et on va prendre du coup. Si j'ai assez. Non, je vais pas avoir assez. Il va me manquer un poil. Ouais. J'aurais bien pris prise d'XP. Ok, bon, on va garder les points de compétences de côté. Je vais me diriger vers la zone du contrat. J'aimerais tant aller à Lille me rafraîchir. Et on verra bien. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. De toute manière, j'avais pas le temps d'arriver là-bas à temps. Donc, petite escale. Et on va tenter. Ça, les poisseux. C'est l'heure du bain. On va tenter de faire ce que je voulais tenter de faire. C'est-à-dire camper plusieurs fois. De suite. Histoire de voir si. Si ça fait quelque chose, si c'est une quelconque influence. Déjà si c'est possible. Mais le reste on verra. Bon, toujours plus long par contre. Alors on va faire simple, on va utiliser ça. Gladio l'a passé niveau 8 quand même. Quel sens de la composition? Je crois que je devrais en faire mon métier. En fait, je crois que j'ai pigé. Ils sont moches, mais marrants. Je crois que j'ai pigé. Quand on passe un niveau, quand on campe et qu'on passe un niveau, on gagne des points de compétence. Là, si je refais. Quel sens de la composition? Ça ne fera rien.
Ah, quelle pollution, cela. On va essayer quand même, hein. Mais à mon avis, ça va pas marcher. Annonce la météo. Oh. Ciel dégagé et température en haut. Il est pas un peu tôt là. Comme ça, on sera prêt. Déjà, on n'a pas gagné point de compétence. À mon avis, ça va pas marcher. Ça va rien faire en fait. C'est bon à savoir. Il faut tenter de toute façon. Ah, on a gagné un point de compétence. Juste un seul. Donc ça vaut pas le coup. Ma combine ne vaut pas le coup. Ok, bah c'est bon à savoir. Ça veut dire qu'il faut quand même un bon paquet d'XP. Et du coup, aller faire un campement et ouais. Là, en conséquence, du coup, on gagne du point d'XP. J'ai bien dormi. C'est sûr que la tente est toujours mieux que la voiture. Donc, on trace. On y va. Allez, c'est parti. Ok, donc on est dans la zone. Je suis en train de me dire que cette compétence que j'ai achetée là, pour augmenter le nombre de points de compétence qu'on a. Merci. Moi, je crois que c'était le crapaud, le caillou, n'importe quoi. Ouais, je suis en train de me dire que la compétence que j'ai achetée, la Dignis, pour les repas, j'aurais peut-être dû l'acheter il y a un bon moment. Ouais, j'aurais su. Parce que le problème, c'est que pour me faire du point de compétence en masse, il va falloir que... Il va falloir que je fasse des trucs un peu à la con. Ça va faire mal. Ouais, toujours. Après, je suis pas obligé d'avoir tous les points de compétence. Mais bon, ça serait sympa quand même. Allez, l'ennemi est au bout du rouleau. Finis son sang. Sois sorti. Comme ça va. Église. Je t'aurai. Joignons nos forces. Bon, et ben ça c'est fait. Écoutez, je repars, je vais me faire un petit donné papier. Sur ce combat. Quoi ? T'as donné le meilleur de toi-même ? Sauf que là, il me reste plus rien. Je vais me faire un petit périple à pied. Le temps d'aller valider le contrat. Je vais faire une sauvegarde. Par contre, j'irai pas à l'hôtel. Déjà, j'ai pas suffisamment d'XP, et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est... J'aime pas ce genre de bestiole. Regarde ce que tu fais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les camps. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Malheureusement, pour mon multiplicateur... Il y en a combien, tout ça? Assez parlé. On passe à l'action. Ouais, malheureusement pour le multiplicateur. T'aimes pas les insectes, toi non plus ? Moi ? C'est dommage, mais bon. Grave, ça me dégoûte. Moi aussi. Ouais. Honnêtement, vu ce que ça apporte, je préfère débloquer toutes les compétences plutôt que d'être niveau 95 000 et manquer de compétences. Et vu que j'ai pas envie d'y passer non plus en 50 heures, tout débloquer avant de faire la J'attaque fin. J'attaque le premier. Voilà. Comme bon, ça, sans stratégie là. Bon. On valide le contrat. Bienvenue chez nous. On va activer le suivant.
Et je vous laisse. Content de vous voir sain et sauf. Après ça. Mon projet pour la prochaine vidéo, ce sera de cavaler dans toute la map à pied. Vous mangez quelque chose ? Et de niveau 38. Je vous souhaite bon courage. Faites attention. Ok. Niveau 38, c'est pas une petite quête. Hein. Mais ça va me permettre, pour la prochaine vidéo, de mettre à l'épreuve, de voir un peu ce que je vaux, compte du niveau 38. Donc voilà, ouais. Le projet pour la prochaine vidéo, c'est de tourner à pied dans toute la carte. Donc ça va me prendre énormément de temps. À mon avis, je vais passer une après-midi pour vous faire une malheureuse vidéo. Enfin, une après-midi, peut-être une nuit, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je vais tourner, je vais m'arrêter, voir ça des contrats de chasse. Et même les petites bestioles, vous avez vu, j'ai la petite méthode avec l'attaque, l'éclipse temporelle là. Si je les achève comme ça, ou s'ils sont de bas niveau, paf, direct, premier coup, je les tue. Et du coup, je gagne un point de compétence. Du coup, ben, à mon avis, à un moment donné, de toute manière, il fallait revenir dans cette zone là. Ici. De toute façon, je serai amené à y retourner, donc ça tombe bien. À mon avis, au fur et à mesure, on va accumuler du point de compétence, donc on va faire des escales et compagnie. On va avancer, on va avancer, on va avancer, on va se retrouver ici, et toutes les petites bestioles et compagnie, hop, à coup d'éclipse temporelle, éclipse temporelle, éclipse temporelle. Et je vais accumuler les points de compétence histoire de vraiment mettre bien niveau des points de compétence. Parce que là c'est vrai que j'ai mal calculé mon coup, il va falloir que je me rattrape. Donc pour faire d'une pierre deux coups, pour monter la compétence survie de Gladio et en plus de ça monter les points de compétence et l'XP, il faut que je parte à l'aventure à pied et que bah, je dégomme de la petite bestiole niveau 1, niveau 5, que ça aille assez rapidement quoi. Voilà, voilà. Là-dessus, les amis, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Final Fantasy XV. Allez, ciao tout le monde.